Ma consultation organise une activité collective, qu'est-ce que c'est ? Dans ses consultations pour enfants, l'ONE ne se préoccupe pas seulement de leur santé physique et mentale, mais aussi de leur bien-être en général. C'est la raison pour laquelle les PEPS, partenaires enfants-parents, organisent dans bon nombre d'entre elles toute une série d'activités amusantes et gratuites. Éveil musical, jeux de société, lecture, massage des bébés, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Eh bien, en plus d'un suivi médical préventif qui garantit le bon développement de votre enfant, le programme Naître et Grandir de l'ONE prévoit également des activités collectives qui sont gratuites, éducatives et ludiques. C'est l'occasion de rencontrer un volontaire ou votre partenaire enfant-parent, ainsi que d'autres parents pour échanger votre expérience, voir grandir votre enfant en s'amusant. Et si vous souhaitez plus de renseignements, tapez www.one.be. Qui peut y participer et comment ? Les services de l'ONE sont gratuits et ouverts à tous sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. N'hésitez jamais à pousser la porte d'une consultation prénatale ou d'une consultation pour enfants pour connaître nos services proposés ainsi que les activités collectives organisées dans votre localité. Parfois, une inscription préalable est obligatoire. Contactez votre partenaire enfant-parent pour savoir comment vous y inscrire. Les activités organisées dans les consultations pour enfants les aident à grandir en s'amusant. C'est aussi l'occasion pour les parents de rencontrer les bénévoles, le partenaire enfant-parent et d'autres parents, d'échanger leurs expériences et même d'assister à des conférences sur des sujets qui concernent la petite enfance. Nos spécialistes vous en disent plus à ce sujet sur la page web Air de Famille, consultations, activités collectives. Retrouvez Air de Famille chaque semaine dans Soir Mag et Soir Mag Plus.